Salut les gamers, bienvenue sur internet, nous sommes toujours sur Dicey Dungeon et après avoir fait une première partie, soit dit en passant équilibrée avec le guerrier, on est parti pour un deuxième personnage, le voleur, qui est d'une difficulté un petit peu supérieure apparemment. Du coup, je suis venu pour gagner, pas pour me faire des amis, les autres aussi, mais franchement, ils n'ont aucune chance. Et ben on va voir ce qui est, on va voir ce que ça va se passer. Déjà on part sur un français irréprochable. Alors attention, mesdames et messieurs, applaudissez notre prochain condamné. Je voulais dire concurrent. Il a de grands espoirs, il rêve en grand, et il a signé une clause de renonciation à toute poursuite judiciaire. C'est le voleur. Attendez, cette histoire de dés, c'était littéral? Tout est littéral avec moi. Alors dis-moi, petit voleur, qu'est-ce qui t'amène dans l'arène des destins fatidiques? Ok, un des... Bon, alors mes amis n'ont pas l'air de prendre tout ça au sérieux, mais moi si. Et j'ai la ferme intention de remporter $1 milliard. $1 milliard? Et que ferais-tu? Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? À qui veut gagner de l'argent au moins? À tout ce dont j'aurai envie, pour le restant de mes jours. Oui, la fortune sourit aux audacieux. En tout cas, c'est ce qu'ils croient ceux qui ne m'ont... C'est ce que croient ceux qui ne m'ont jamais rencontré. Allez, zéro. Et du coup, let's go pour le voleur. Alors, le voleur, on va pas avoir le même stuff. Là, déjà, on commence avec quoi? La dague. Réutilisable, donc on peut faire que des dégâts de 3 ou moins, pas plus. Et Rossignal, casse un dé en dé. D'accord. Et bah c'est parti, on va niquer le louveteau pour avoir un objet déjà. Le loup est en mode... Waf 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 quoi? Répète la prochaine attaque. Ah mais c'est... D'accord. Actuellement ça me sert à rien. Casse un dé en dé. Ah, c'est donc ça, d'accord. Donc ça casse en deux, mais en... Mais ok, d'accord. Bon, bah du coup, 3, 1, et bah on met ça pour plus tard. Vu que je peux pas les mettre là, je peux mettre que maximum 3. Je peux mettre 1, 2 ou 3, mais les 4, 5 et 6 ne rentrent pas dedans. C'est trop gros, Ça rentre pas. Aïe. Faut que je joue vite. Ah d'accord. Ah, en fait, il... Il prend une attaque au hasard de l'ennemi. D'accord, donc ça servait vraiment à rien de faire waf waf. Ok, bah tant mieux que j'avais pas fait. Dague. Dague digue du cul. Hop, on va casser en deux, comme ça, j'ai un trou. C'est pas grave, au final, je fais mes 4 de dégâts. Hein. Tiens, il me reste un PV. C'est gratuit. Hein. Oui, non, mais en fait, je me suis trompé. Je voulais casser le 3 et utiliser le 4. Putain, il a rien fait. Bah, tant mieux. Allez, hop. Mais non, ça sert à rien ce que je fais. Bon, c'est pas grave, il est mort. Bon, là, j'ai fait une erreur dès le départ, mais ça m'a rien coûté, donc ça va. Mais je l'ai vu au moins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pickpocket. Vole 1 PO. Une fois par combat, d'accord, mais si je le vole, c'est-à-dire que c'est en plus de ce que je vais gagner, j'espère. Sinon, ça sert à que dalle. Faut que je mette un pire. Vixior, hein, toujours à Vixior. Il gagne les défis. Alors, on ajoute du bouclier, rondèche, d'accord. Bon, on va rester là-dessus. Casser un dé en deux. J'espère qu'il va pas mettre 4 et 1 quand même. Pas grave, hein. Je lis bien. Oh, je lui vole un PO, comme ça, hop, on est bien. Et bah, c'est parti. On a hâte d'avoir un dé en plus, hein, quand même. Ouf. J'ai pas bien aimé, hein. Tu peux pas lui voler son truc bien, là? Ça, c'est bien, ça, tu peux pas lui voler, connard. Mais je l'ai pas équipé, mon truc de tel que je... Non? Ça marche une seule fois? Je sais pas. Casse un dé, un dé. Bon, il a 3 de bouclier, donc ça me fait réfléchir. Si je mets un 1, ça fait le 1. Très bien. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 9 moins 3, ça fait 6. Allez, c'est parti.
Hop là. 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 C'était long, mais c'était nécessaire. Alors, du coup, c'est quoi son ulti? Bah, tu viens de le voir. Son ulti, ça balance 4 dés de 1. J'ai gagné 2 la veille et je gagne un Z. Ça, c'est bien. Ah bah, il pickpocket, c'est qu'une fois par combat, c'est pour ça que ça réapparaît pas. Très bien. Très bien. C'est bon dit. Chancrui déjà, j'avais moins m'amuser. Quel est l'ordre le plus sympathique? Pirate, il est relou. Stéréo, Ed, relou aussi. Enfin, ça va. Pirate. Je vais quand même faire le pirate pour aller dans cette petite échappe. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, sur un 5, il peut le refaire, salaud. Sinon, il peut faire 4 de dégâts, quoi qu'il en soit, et me brûler 2 dés, ce qui fait bien mal, hein. Pas très sympa, le bonhomme. Et du coup, en fait, avec ce perso, on a vraiment pas envie d'avoir des gros dés. Mmh. Ouais, c'est ça. Et on vole. On a de l'argent. C'est bien, il voulait gagner 1 milliard de dollars. On le gagne petit à petit, hein. Aïe. Oh, ça fait... Il fait pas si mal tant qu'il a pas de 5. Mais dès qu'il a un 5, il casse les couilles, par contre. Oh. Est-ce si intéressant? Visiblement, oui. Bah oui, parce que du coup, je peux faire directement mes dégâts. Je vais pas me faire perdre 2 points de vie, hein. Je peux me faire perdre 2 points de vie. On peut faire un Immortal Lee sur une seule personne. Non mais Bob, si tu juges qu'il faut qu'on passe en Immortal Lee, ça peut s'arranger. Nice. Oh, ça me fait chier, mais bon, il est mort. Ça va me coûter 2 points de vie, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, ça s'en va. Et ça ne revient pas, surtout pas. On va... Ouais, bon, on va se re-soigner, hein. On en a besoin. Et voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Lance-boulette. Putain. Tu veux de la boulette? Contrefaçon, duplique un dé, ça coûte... Ça coûte beaucoup d'espace, je trouve. Mais ça peut être utile. Salut, Shirima. Bon, en tout cas, déjà beaucoup moins sympa que le guerrier, lui. Hein. Je l'aime un peu moins, on va pas se mentir. Cristal de sang, ça peut être pas mal. Après, ça restaure peu. En fait, là, pour le moment, ce qu'il nous faut, ce serait vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir plus de dés. Donc, contrefaçon, ça semble tout indiquer, en soi. Contrefaçon semble tout indiquer, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des dés. Dans ce boulette, c'est vraiment nul à chier. Hein. Vraiment, c'est vraiment mauvais. Je sais pas ce que ça donne en améliorer, après, mais... Je ferais bien la duplication, hein. Allez go. De toute façon, de l'argent, je vais en avoir, donc je peux acheter un peu ce que je veux. Hein. Du coup, hop, on garde ça. Casser un dé en deux et dupliquer un dé. Ça peut être... En vrai, ça peut être intéressant. Ça peut être assez intéressant comme build. Niveau plus dans deux. Donc, est-ce que je me soigne par sécurité? Ouais. Alors, sort foudre. Si je fais un 4, je fais 5 de dégâts et j'inflige 2 de choc. On a envie de le faire tout de suite. On a envie de le faire tout de suite. Est-ce que dupliquer un dé me servira à quelque chose? La réponse est non. Donc non. Ensuite, maintenant. Je vais casser le dé en 2. Quoique, je sais pas si ce serait vraiment une bonne idée ça. Parce que si j'obtiens 2-3, c'est incroyable. Si j'obtiens pas 2-3, on se fait chier. Si j'obtiens 5 et 1, par exemple, ça me fait vraiment chier. Bah, quand même, je vais le tenter. Hein. Faut que j'arrête de coller des trucs.
Faut que j'arrête de coller. Je joue des BO au prochain tour. Ah non, non, le truc à 600 subs, c'est plus l'actualité. Hein. C'est pendant le live, pas pareil. C'est mort, je joue plus à Fortnite, je joue pas à Fortnite. C'est mort. Alors, sort de foudre encore. Ah, j'ai très peu de chance de l'avoir. Si je casse un dé en deux, je peux avoir 4 et 1. Oh, ce serait vraiment dommage que j'ai 4 et 1. Merci. Dupliquer un dé, bah let's go. Hein. Tac. On va voler. On va voler l'orange du marchand. Ce que je dis, mon lancer foireux là actuellement, ça sert pas à grand chose de le faire maintenant. Je le ferai dans un combat qui est vraiment tendu. Là, ça le tue pas, donc là, je m'en fous. Ah, vite. Mais non, mais pourquoi tu fais pas là? Esquive l'attaque suivante, relou. Relou, mais pas trop grave. La technique du c'est vraiment dommage, sa puissance est sans limite. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Sort flamme, c'est bien, je suis obligé de l'avoir si je casse le dé en dé. Après, c'était pas forcément une très bonne idée, mais de toute façon, ça le tue. Ah. Attention, il esquive. Il esquive l'attaque suivante. Je ne veux pas vous faire péter un câble, donc je vais d'abord l'attaquer dans le vent. Voilà, et maintenant, je fais le sort flamme. Mais d'abord, je vais faire une contrefaçon. Tac, comme ça j'aurai au moins un deuxième 2. Et je fais Capitaine Flamme, qui n'est pas de notre galaxie. Tac, et il est obligé de mourir en fait. Il est obligé de mourir, pourquoi? Parce qu'il y a une brûlure, mais il a qu'un seul dé, donc il va forcément utiliser et mourir. Ou alors passer son tour et mourir au prochain, c'est salaud. Ça m'aurait arrangé que tu meurs avant, mais bon. Oh, c'est vraiment dommage que j'ai 1 et 3. Hein. C'est pas grave. Je cours pas. Aïe, aïe, aïe. Je lis pas, en fait, tout ce qui est à base de jeux de mots avec les dés, j'ai décidé de ne pas les lire. Du coup, anguille empoisonnée. Oui, anguille, bien sûr. Réduit de X les décomptes. Ah, c'est pas mal si on a que des attaques à décompte. Si on a que des attaques à décompte, c'est vraiment pas mal, ça peut être très très puissant ça. Mais est-ce qu'on a des attaques à décompte? La réponse est comprise entre non et vraiment aucun. Donc du coup, non hein, c'est dommage. On va faire l'aiguille empoisonnée, ça peut être assez vénère. Hein. Surtout j'imagine que si elle est augmentée, elle peut faire mal. Elle peut faire très très mal. Charme de Micmac. Putain, vraiment, c'est le perso basé sur les 1. Mais c'est pas une mauvaise chose. Casse un AD 1-2 ou obtient 2-1. On voulait des PO, est-ce que ça m'intéresse encore? Voler des PO, ça m'intéresse plus trop là, ça va, j'ai déjà 5 pièces. Ça devrait aller. Je devrais m'en sortir. Il y avait quoi là-dedans? Elle lose bullet. C'est non. Beaucoup de mécaniques en commun avec Slay the Spire. Bah, je trouve pas, hein. Je trouve vraiment pas. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais je vois vraiment pas en quoi c'est en commun avec Slay the Spire. Enfin, si un petit peu, mais franchement, c'est vraiment pas le même type. Vraiment pas le même type de jeu. Alors, oh bien ça. 4 dégâts et affaiblit l'équipement, d'accord. Bon, temps de faire ça. Hein. Je viens d'arriver, c'est passé quoi déjà? On a terminé notre première partie avec le guerrier, et là on fait notre deuxième partie avec le voleur. Et bon, bah, on attend de voir ce que ça va donner. Pour le moment, c'est pas encore incroyable, mais on verra. Casse un dé en deux. Bah, en vrai, là. Ouais, hein. Clairement. Je vais faire ça. Comme ça, je lui affaiblis un équipement. Je vais lui faire 3 de dégâts ici. Putain, je voulais le dupliquer. Je voulais le dupliquer et j'ai glissé. C'est pas grave, je peux dupliquer le 2. En soi, c'est pas grave. C'est pas si grave. C'est une petite erreur. Et on va infliger du poison à l'infini. Hein. Allez hop. Ça peut être pas mal. Non, je ne lirai pas tes blagues, Chelle.
J'ai dit que je ne disais pas les blagues. C'est moi ou il a rien fait? Il a rien fait, il pouvait rien faire, très bien. Ah, je peux affilier un équipement encore, c'est bien. Je peux obtenir 2-1. Ok, ça va. Nice. Du coup, j'ai tout intérêt à... Attends. 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ouais, non, il sera pas mort, donc autant lui faire du poison. Ça, je suis sûr qu'au prochain tour, il est mort. Ah oui, c'est vrai que je peux utiliser que 2 fois, que 3 fois. Bon, c'est pas grave. Là, tout coupé, en soi, ça change rien que je mette un 2 et un 1 ou un 1 et un 2. Ça ne changeait vraiment rien. Il est mort au prochain tour, c'est tout ce qui est. Yaku, 800 sub goals, on est content. Voilà, on est juste content. Actuellement, on va pas les avoir, donc on est content de les avoir. Pour l'instant, je ne veux pas d'autres sub goals. Casse un D, un 2, Sporty. Mais sérieusement. Obtiens 1, 1. Bah ouais. Bah, tu sais quoi, tu mérites même pas que je continue ce combat. Allez, tu m'as saoulé. Eviction! C'est un peu le perso des maths, il faut toujours compter tous ses dés, ouais c'est ça. Ah bah là c'est... ouais. Clairement on est en mode... un max de dés s'il vous plaît. Oh, c'est gratuit. Alors on va voir, on va peut-être pas améliorer tout de suite, mais on va voir ce qu'on peut faire déjà. Alors Dag, ah c'est plus 1, ah c'est pas mal. Contrefaçon, ah c'est pas mal aussi que ça prenne juste un seul truc. Casser un, casse un dé en 2 sur un 6, le casse en 3, c'est pas mal aussi. Aiguille empoisonnée, c'est 5 utilisations partout. Oh, tout est bien. Même le charme de Micmac, il est bien. Putain, tout est bien. On peut pas, genre, améliorer tout. Je te donne tous mes PO, frère. Je te donne tous mes PO, frérot. Oh là là, putain, mais tout est bien, quoi. Après, l'aiguille... Oh là 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 là. Je pense que le plus important, actuellement, ce serait Dag. Même si contrefaçon, ça a l'air ouf, hein, mais le problème, c'est que... J'ai quoi dans mon sac à dos? Sac à dos, j'ai pickpocket, je m'en fous. Allez, on fait pickpocket, on va le loper, on s'en fout. J'ai fait appuyer sur améliorer sans faire exprès. Ah, je dirais Dag. Je dirais Dag. Parce que c'est plus 1 de dégâts direct. Allez. Ah. Sinon, je peux partir et attendre de voir ce qu'il y a là-dedans. Ça peut être une option, on va faire ça. Jarenté. Alors, ouais, on va voir, Jarenté. Je crois qu'il est relou ce monde, non? Résiste au poison, purée de pommes de terre. Purée. Alors, double le poison et inflige du poison. Très bien. Et il a 4 dés. Oh, aïe, 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 il a l'air horrible. Super Mario! Ah là là, c'est décidément trop d'émotions. Merci Kirano qui offre 5 subs. Merci beaucoup. Gros bisous. Alors du coup, obtient 2-1, ça c'est parti. Merci beaucoup. Et duplique, en vrai j'aurais dû faire l'attaque parce que là je vais peut-être mourir ce combat. Peut-être mourir aussi. Casse un dé 1-2, on va casser aussi un 2. Et on va dupliquer ça. Je lui fais quand même, hein. C'est... il est résistant au poison, mais il est pas non plus immunisé. Oh mais j'aurais pu le mettre dans la dague, je suis bon, j'avais oublié. C'est fait moins d'eau, ça va. Oh, oh là 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 là. Oh là, la meilleure start au monde, c'est-à-dire qu'au prochain tour, il va m'infliger masse poison, et il va pouvoir le doubler direct. Oh, je suis pas usé. Contrefaçon. Ah là par contre une tour nulle. Croyez-le ou non, mais je l'air ça. Hein. On va augmenter son poison. Hein. Ça fait que des dégâts divisés par deux, mais c'est toujours ça de prix. Après c'est vrai que c'est pas worse. C'est vraiment pas worse. Non, faut pas que je fasse ça. Oh là là. Et hop, direct. Allez, direct, j'ai 4 de poison. Merci. Merci, ma bonne dame.
Ça va te dire, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur, là. Faut que je joue mieux, faut que je joue mieux. Faut que je lui fasse un maximum de dégâts avec la dague, en fait. Vraiment que des dégâts. Une fois il m'a mis 12 de poison en deux tours. Ah bah t'inquiète pas, je pense que je suis pas loin de les avoir. Hein. Lancer foireux. Double le poison, bah ça pourrait le tuer là si j'arrive à doubler le poison, ça veut dire. Mais je pourrais pas, quoi qu'il en soit. Il est mort, il est mort. Pas de panique, il est mort. En fait, le problème de mon build actuellement, c'est que je n'ai ni défense, ni soin. Et ça, ça va me coûter très très cher. Inflige 4 poisons. Un build poison, c'est pas mal. Un build empoisonné, c'est vraiment pas mal comme idée, mais... C'est pas cher. Je suis vraiment... Je suis tourmenté actuellement. Je suis vraiment tourmenté parce que je sais vraiment pas dans quoi partir. Un bill poison, c'est bien, mais si on tombe sur quelqu'un qui est résistant au poison, on est baisé, quoi. Après, il fait empoisonné, c'est vraiment bien. La deuil aussi, hein. Ouais, on va... Étant donné qu'on est qu'on n'a pas de défense, qu'on n'a pas de soin, on va partir sur l'offensif à fond. C'est parti pour la dague. Après peut-être qu'il y a du soin, il y en aura là et je serai deg, hein, mais c'est pas... En fait j'aurais dû acheter le soin tout à l'heure. Même s'il me servait pas, j'aurais dû... Oh putain, j'ai que des ennemis résistants au poison, bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Oh là 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 là. Tout simplement, je suis dans la merde. Merci à Cerf. Petit message pour te remercier de la part de la majorité silencieuse de ton boulot, autant sur tes streams que sur les Epibi. T'ayant vu RNT à la fin du concert Epibi du vendredi à la Japan, j'ai compris ton investissement au nom du plaisir. J'ai pas compris la fin. Ah, t'ayant vu RNT à la fin du concert, Epibi du vendredi à la Japan, j'ai compris ton investissement. Ah bah merci beaucoup. Merci à Serf, c'est très gentil. Des gros bisous. Bon du coup, lancer foireux, ouais, allez hop, sorti. Bon alors, on a besoin. Est-ce que je lui mets la max de dégâts? 2, 4, 6, 8, plus 6. 8 et 6, ça fait 14, ça va pas tuer. Après, je peux faire ça. Ça fera toujours un peu plus. Donc là, logiquement, on lui fait 16, je crois. Si j'ai pas de conneries, ou 15. Oh, ça fait très mal quand même. On a fait un de ses tours offensifs, là. Dioné. De Dioné. Oh là là, saloperie. Heureusement qu'elle est morte. Allez, ça pue. Bon. Oh, vous pensez pouvoir battre les arbres? Vous croyez vraiment? Les arbres sont patients, ils vont attendre. Ils vous boufferont quand vous serez mort. Yes. C'est... Yes, la nature. Après, il faut Amazonie, hein. C'est horrible ce que je viens de dire, je suis désolé. Au secours. Alors, du coup, j'ai regardé en plus, ça c'est une bonne nouvelle. Mais lance-boulette, mais mets-le-toi bien dans le cul, ton lance-boulette. Sans déconner. Charme de Link Max, ça c'est oui. Ok, allez, c'est parti. C'est parti pour mettre la max. J'hésite à mettre du poison. En vrai, maintenant, le poison n'a plus trop d'intérêt. Hein. Maintenant, le poison n'a plus l'intérêt.
Vaut mieux que je mette dans ma dague. Je vais peut-être ne pas du tout faire un bill poison et mettre autre chose à la place de légumes empoisonnés en fait. Parce que quand même, le poison n'a plus l'intérêt. Sauf qu'on a des ennemis qui ont un... Oh bâtard. Qui ont des ennemis qui ont un bouclier à la limite, ça va de bien. C'est peut-être une bonne idée de le garder quand même. Bonjour. Oh non, salaud. Casse un dé en deux. Non. Faire ça déjà. Il est mort ou pas? Je crois qu'il est mort. Oui. Complètement dead. Complètement mort. Tu peux boulot, chapeau, il faut la remettre sur l'occasion. C'est pas comme si on avait autre chose à faire. J'avoue. On est un peu coincé là. Les musiques sont vraiment là, ça bat totalement. C'est le point fort du jeu. L'élan point fort du jeu. Du coup, lanterne, 2 dés machins au prochain tour, une fois par combat. Une fois par combat, c'est nul. Ajoute une minoration des dégâts reçus. Ah, c'est pas de la défense, c'est une minoration des dégâts reçus. Hmm. 6 de dégâts, brûle 1 dé. Ouais, mais non. Prends trop de place. Armure en cuir, ça a l'air sympa, en soi, mais... Par contre, ça c'est nul, lanterne, c'est vraiment nul. Dans certains builds, ça peut être bien, mais... Une fois par combat, c'est triste. J'ai envie de prendre armure en cuir... J'ai envie de prendre armure en cuir et voir... à la place de aiguille empoisonnée, peut-être, ça peut être une bonne chose. On va voir. On va voir. Flamish. Putain, y a que des magasins. Que des magasins. Homme d'osier. Ok. De toute façon, on va essayer de tous se les faire, il faut qu'on les développe. Ah, oh, c'est dur. Hein. J'aime pas trop le voleur. J'aime vraiment pas trop le voleur pour le moment. Flamèche craint la glace. Ça va. Non, du coup, ça va pas me servir, ça. Aïe. Ah! En vrai, pas mal. Ok. Non. J'en réfléchis. Si. 6 dégâts, et j'obtiens 2-1. Et du coup, le 5, je le casse en 2, et j'ai... Incroyable, tu vois la merde. Pourquoi j'ai le 4? Vie nulle. Fais quoi, déjà? Ah oui, ça peut être pas déconnant de mettre un petit peu le... Déjà. Ah mais c'est juste une fois, d'accord. Ah je pensais que ça pouvait se cumuler, ah bah très bien. Très bien, je pensais que ça pouvait se cumuler, mais du coup ça me tiraille moins. Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom déjà. Sébastien. Oula. Aïe. Ouïe. Ah. Aïe. Ça fait mal. Je crois qu'il est dead. Il est dead, non? Oui. Oui, il est dead. Il se complete dead. Allez hop, salut mon pote. Et même pas besoin. Wouhou. C'est dingo le gars. Wouhou. Allez. Mais par contre, vraiment, mon problème, c'est la vie. La vie est un problème. Ouais, trop. Charme de minuit, obtient 2-6. Ouais, non, t'as pas compris mon mille, le toi. Sensationnel. Je pense qu'il faudrait essayer de modérer les jeux de mots un peu parce que là, ça devient indécent. Modérer? Merci Romain Sting pour les 17 mois. Alors, trousse de soins, c'est sexy et en même temps, c'est cher. Chéros. On va voir ce qu'il y a là-dedans aussi. Alors qu'on va... Non! C'est pas grave. Je suis sûr de ne pas mourir.
6 de dégâts brûlant des. Bah écoute, ça m'intéresse, actuellement. Yes. Je réfléchis deux secondes. Sur ça. Tac, un maximum de dégâts direct. Et une minoration. Allez hop. Ça va. Je suis sûr de pas mourir sur ce dernier mot. Mais non. Oh le bâtard. Ah non, ça va, il gagne pas de. Je pensais qu'il allait gagner des points de vie, puis qu'il fasse 6. Il a pas fait 6. Par contre, moi je vais faire un 6. Désolé de le dire. Et un petit impair ici, tac. Hop là. Hop là mon petit mat. Hop là mon petit mat. Hop là. Est-ce que je fais lancer foireux pour le surtuer? Je suis à quel niveau là? Je peux pas voir mes stats. Ah, je peux pas voir mes stats. On va pas risquer le diable. Risquer le diable, on va le tuer. Putain, il a les mêmes bois. Il a la même voix que le mec en feu. Ça se trouve, le mec en feu, c'est lui, mais en feu. Ça se trouve, on a un élément de lore, là, tout de suite. Effectivement, j'avais eu raison, je ne gagne pas encore de vie. Donc j'ai bien fait le buter. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Aiguille empoisonnée. Ouf, c'est nul à chier, ce nom. Non, merci. Rossignol, casse un dé en deux. Ah! Hein, là, ça m'intéresse. Ok, on va faire ça comme ça. Ok, là, ça m'intéresse. Du coup, contrefaçon, je sais pas si contrefaçon, j'en aurai besoin quand même. Du coup, le magasin, nul. Les deux magasins sont nuls, on a bien vu. Je vais vérifier ce qu'il y a, mais il me semble que c'était bien de la merde, hein. Oui, c'était bien de nous lâcher. Du coup, c'est partir. Partir un jour. Est-ce que je prends ça? Non. Bah, quoi que si, je vais gagner un level contre lui, donc autant me soigner. Allez. Bon. On va voir, hein. Oh là là. 5 dégâts verrouillandés. Chiant. Chiant. Hache de guerre, maximum 4, deux fois ça en dégâts. Aïe aïe aïe. Ah, ça fait mal le monsieur, hein. Alors. Putain, mais il m'a pas mis comme je voulais. Ça sert à quoi d'organiser son truc pour que ça ressemble pas à ce que tu voulais? Je voulais les deux rossignols là, moi, pour rien, merde. Du coup, déjà, on commence par ça. Le coup de corne, je m'en fous, hein. Quoi qu'en vrai, le coup de corne, pas m'en fout tant que ça. 5 de dégâts déjà, et verrouille un dé. Ah si, quand même, verrouiller un dé, ça peut être pas mal. On va casser un dé en deux, et recasser un dé en deux, et là on va faire mal. 2 plus... Alors, j'ai envie de faire un petit calcul avant. Donc déjà 6 de dégâts, plus 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de dégâts déjà. Ça va, il passe sa meilleure vie. Allez hop. Ça se mince. Ah, on a verrouillé une grosse valeur, je crois, hein. C'est pas mal. Et voilà, il peut pas encore faire son truc. Et ben on peut encore le faire si on veut. Ça m'emmerde un peu là pour le coup, mais on peut encore le faire. Bon, voici. Si. Ça peut potentiellement me sauver, hein, si j'ai de la chance. Casser un dé en deux, tac. Voilà, nickel. Et casser en deux, hop. Maintenant, j'aurais dû le faire sur un 1, je suis débile. C'est pas grave. Ah, oh, si, c'est un peu grave. C'est ce que sur le coup, j'ai pu penser.
Damn la Team Luna. Salaud Manoa. Et regardez, hop. Grâce à ça, il m'a pas encore fait le coup de corne. Je peux pas encore le faire. Putain, mais il prend que coup de corne. Terrible. Les défoireurs, on va pas en avoir besoin. Ça, c'est beau. Et il est mort, hein. Allez, hop, il est mort. He's dead. He's dead, j'ai dit. Merci. Damn les enfants, damn les petites. Allez, la petite veine sur le bibi. Siameto casse un dé en 3. Oh, il y a un meilleur équipement, c'est quoi déjà? Ah, Siameto, Siameto, hein. La Siameto, la famille, hein. Ah, Siameto, direct. Ah, mais non. Casse un dé en 3, mais les gars, est-ce que vous savez ce que ça fait de casser un dé en 3? Et du coup, limite, le 6, il sert plus à rien. Parce que du coup, si je casse un 6 en 3, ah, ça peut quand même me faire 4, 1 et 1. Sinon, j'enlève contrefaçon. Mais en vrai, oui, j'enlève contrefaçon, c'est le génie. Siameto. Siameto, au lieu de contrefaçon, on s'en fout. Et, armure en cuir, histoire d'avoir un petit peu de défense. Attendez deux secondes. Y'a quoi déjà là-dedans? Mais prendre le soin, ça ne sert à rien, il me faut 16. Je n'ai jamais de grosses valeurs. Mon but, c'est d'avoir plein de dés de petites valeurs et de faire des attaques avec. Le soin ne me servira à rien, et puis ça, il me propose de la merde, mais c'est nul. Pourquoi tu me proposes nul? Non, mais on va rester comme ça. La Siameto, c'est un minimum 3. Oui, oui. Ah oui, effectivement. Ah, effectivement. Après, ça se coule, hein. Ah, c'est peut-être un petit peu trop, la Siameto. Charme de Minus, c'est fou quand tu l'as mis en... Oui, je sais. Sauf que là, actuellement, dans notre build, ça ne sert à rien. On l'a eu tout à l'heure, le charme... Charme de Minuit amélioré, c'était incroyable avec le guerrier, mais avec lui, ça ne sert à rien. J'hésite, du coup, parce que c'est vrai que contrefaçon, ça me servait quand même. Siameto... Bon, je vais tenter. Je vais tenter actuellement ce que j'ai en tête. On va voir si ça a marché. Le retour du Big Pocket servira à rien, là. Je vais quand même tenter ce que j'ai en tête. Lourd à blé, c'est parti. Putain, notre... on peut avoir une amélioration finale à vraiment à la fin, quoi. Nul. Alors, maximum 3, un champ de dégâts, un fusion de poison. Ok, pas ouf. Bon, du coup, Siameto. Donc j'obtiens 2-1. Je casse un dé en 3, donc... Là, j'ai que les 1. Non. Ça change rien de mettre un ou un 2 là pour le coup. Mais quand même, je garde mes 2 donc c'est mieux. Ah là, ça devient intéressant quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as raison. En vrai, infliger un poison, c'est pas. Ah bah, il résiste au poison donc on s'en fout. Donc il se prendra quand même. Bon, un poison, ça change rien du tout. Je vais quand même faire ça déjà pour l'amélioration. Et on peut partir là-dessus là. Là, je lui fais déjà 8 de dégâts plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je lui fais 18 de dégâts là actuellement. 18 dégâts direct, hein. Pas dégueulasse. Je pourrais même faire un lancer foireux, mais là ce serait honteux. Là. Ce serait vraiment dégueulasse. Voilà ce tour. Ah, on fait mal petit à petit, mais on fait déjà mal, hein. Ah non, maudit. Maudit sois-tu, le loup. Ah ça m'intéresse, ça n'arrange pas le... Ah ça marchait. Ah ça marchait, oh non. Oh non, il va me maudire la dague. Oh non. Ah merci. Ah merci, ça m'aurait vraiment chier. Maudit l'ennemi, est-ce que ça m'intéresse? Alors que je peux le tuer là. Je pense que je peux le tuer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Il est mort. Il est mort. 11 plus 7, ça lui fait 18, il est décédé. Tac. Oh là là, ouais, il est puissant, putain. C'est vraiment pas dégueulasse.
Ça a l'air si bien, Dicey Dungeon, c'est vraiment cool pour ceux qui aiment le genre. Après, ça peut, comme je le disais, comme je voulais le dire plutôt, ça peut être très frustrant comme jeu, hein, parce que c'est de la RNG. Il y a une certaine maîtrise de la RNG, mais des fois, quand ça va pas, ça va pas. Hein. C'est pas, tu le retournes en dé. Hein? Retourne en dé. Et bah, yes. Gargoyle Skolats. Bon, déjà, on va voir ce qu'il y a dedans. Charme de Micmac encore. Roule l'âme. Minimum 2. Octroie un dé, valeur moins 1. Ouais, non, mais ça prend 2. Ça prend 2 espaces, donc c'est relou. Bon, rien ne m'intéresse là pour le moment. Il prend la face opposée du dé. Oui! Et j'ai pas de dé sur moi, donc je sais pas ce que ça fait. 1, 6 devient 1, 5 devient 2, d'accord, que je vois. Bon, soit ça m'intéresse pas. Hein. Bon, pour l'instant, ça m'intéresse pas vraiment. Nul. Alors la question, c'est... On commence par le Kraken? Le Kraken, ça peut être... ça peut être dans l'axe. Bon, allez. Faut bien le faire, de toute façon, si on rate contre lui... Oh, malédiction, ouais, non, chiant. Alors, casse un dé en 3, c'est parti. Le 4. Bah, du coup, le 4, il faut que je m'en serve. Je pourrais m'en servir pour Rossignol, mais... Oh, quoi que le maudire, ça peut peut-être me sauver la life, hein. Sait-on jamais. Bon, on va rester là-dessus. Tac. Allez. Je vais faire une minoration quand même. Et le reste, c'est parti. Faudrait voir l'up de la scie. Ouais, bah on verra. On verra ce que ça fait d'up la scie. Il y a moyen que d'up la scie, ça ferait tout simplement. Oh non. Ça va, il n'y a pas de 4. Bon, ça, ça m'emmerde un petit peu. Parce qu'on sait pas ce qu'on a, mais. Casse un dé en 3. Ok, ça marche. Ah non! Mais c'est dégueulasse! Ah, je pensais que ça allait les découvrir! Ah, je suis baisé! Bon, aveugler les dés de l'ennemi, ça ne sert à rien du tout. Je suis deg! Faire un truc spécial, mais au moins comme ça je suis sûr de ce que j'ai. Et normalement tout passe dans dague. Quoi? Ah, putain, mais ça veut dire que c'était un 6 et qu'il m'a fait un 4-2-2 lui. Quel bâtard! Je suis deg. Attends. Ah mais non, mais ça sert à rien d'aveugler. Putain, quoi? Ah, il m'a... Ouais, il m'a fait un... Ah putain, il m'a fait un... Comment j'ai pu avoir un 5? Ah non, mais ça c'est mon deuxième dé aveuglé, c'est pour ça. C'est un dé que je n'ai pas découpé. D'accord, je comprends mieux. Bon, ça va. Il a pris cher déjà. Bah oui, du coup, ça sert vraiment à rien hein, de quitter des dés comme ça. Ça va, il me fait pas mal. Il m'a maudit, cela dit, relou. Casse un dé en 3. Très bien. Casse un dé en 2, s'il te plaît. Merci. Plus un dégât. Plus un chaque utilisation. Ouais, mais ça ne sert à rien. Là. Ok, ça marche. Ah, mais non, je suis con. C'est pas grave, il est mort, non? Ah, mais elle est pas mort. Ah, non, donc, par. Ouais, non. J'ai mal joué. Je voulais tenter un truc et j'ai mal tenté. Ça va, ça fait pas si mal que ça. Plus de peur que de mal. Normalement, il est mort à sourcil. J'ai la malédiction. Casse un dé en 3, allez, vas-y. Ah, je mets le je suis con, j'aurais dû le mettre sur charme de Micmac. Ah, là, je me précipite et ça me porte préjudice. Mais ça va, parce que là, c'est contre un monstre, je suis sûr de gagner. Mais faut que je fasse attention. Parce que là, je commence à me précipiter un peu. Je commence à se ressentir sur mon jeu. Hein.
Bon, ça va. On a réussi à trouver un build quand même qui marche bien. Alors, si, admettons. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que du coup, il n'y ait plus le minimum. Et qu'on puisse vraiment casser n'importe quel dé. Ce qui est très puissant. Et lui, bon, ouais, pareil. Je m'attendais à ce que ça fasse plus l'impair. Rossignal casse un dé en 2 sur un 6, le casse en 3. En soi, Siameto reste plus cool du coup, parce qu'on pourrait casser un 1 en 3-1. Le charme de Micmac. Non, le charme de Micmac me sert si j'ai un 6, ça me donne 2-1, ce qui est pas mal. Ça permet de vraiment farmer de ouf en fait. Ouais, Siameto, direct. Comme ça, on va vraiment pouvoir farmer, genre des. Même des 2 et des 1, ça deviendra très bien. Siameto, c'est parti. Et du coup, je pourrais limite aller faire le boss maintenant. Ça me rapporte quoi, là, de gagner un niveau? En soi, je prends pas vraiment de risque en me battant contre des monstres, là. Je devrais tous les tuer. Gargouille, je la connais pas du tout. Alors, avalanche. 3 de dégâts, relance le dé avec une valeur inférieure. Ah, intéressant. Un Rocky verrouille un dé. Ah. Ouh, ça a l'air chiant, son build. Il a l'air de pouvoir faire des trucs assez vénères s'il y a des gros chiffres. Ouh. Bon. On va casser un dé en 2, casser un dé en 3. On peut vraiment casser les dés. Casser les dés. Et bah, c'est parti, on va faire ça. Très bien. Du coup, attendez que je réfléchisse. J'ai préparé mon prochain tour. C'est complètement débile ce que je viens de faire. C'est pas grave. On va casser un dé en 2. Casser un dé en 2. Et celui-là, on va le casser en 2 seulement. Oui, j'ai dit en 2 avant, au lieu de 3. Comme ça, j'ai toujours un 2 au moins. Une amélioration des dégâts reçus. Par contre, on va faire ça. C'était peut-être pas le tour optimal. Mais ça va. Pas cool. Quoi? Ah oui. Attends, heureusement j'ai ça. Hein. Heureusement j'ai ça. Hein. Allez hop. C'est vraiment fort. Mon build, ça va, on a réussi quand même. Alors que c'est ma première partie avec ce perso, j'ai quand même réussi à me trouver un build qui est pas trop dégueulasse. Oh, une verrouille encore en dédé. Oh là là. Aïe aïe aïe. Petit bâtard. Ah bah tu sais quoi? Je suis rancunier. Ça tombe mal pour toi. Allez hop. Je te verrouille 2D, tu vas pas pouvoir faire grand chose au prochain tour mon pote. Je suis rancunier, faut pas me faire chier. Alors, qu'est-ce qu'il fait, hein? Hein, il fait quoi, hein, salaud? Petit bâtard. Allez. Ah bah il est mort de toute façon. Hop là, on casse, allez, allez. Hop là, t'es mort. Oh là là, ça se passe trop bien, hein. Ça se passe trop bien. On va voir contre le boss comment ça se passait, mais ça se passe trop bien. Allez, le level up. 50 points de vie quand même. Éclaté au sol actuellement mon tirage. Très bien. Bon, on va faire une amélioration quand même. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dégâts plus... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh, on commence déjà par un bon petit 15. 3-15, ça va. Salaud. Tu en ce foireux, hein. Exaspération. Ils ont appelé ça exaspération, quand même. Alors, épée à deux mains, ça a l'air intéressant, ça va dire là tout de suite. Genre, je fais ça. Santos. Je sais pas si ça vaut tant le coup que ça, mais peu importe. Oh là là, tous les dés qu'on fait. Allez, casse-toi. Est-ce qu'il est mort, non?
quand même pas mort. Non. Bon, j'aurais bien aimé, hein. J'aurais bien aimé qu'ils soient morts, mais... Ouais, j'aurais pu le save, le lancer foireux, mais je sais pas, j'avais envie. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Tout simplement inouï. Ouf. Oh, il a fait mal ce tour. Heureusement que je l'ai level up. Dédicace à Bob Merlin, le dictateur. Mais c'est bien, comme ça au moins j'ai mon lancer foireux qui revient. Dédicace à Bob Merlin. Merci beaucoup, Gambas Sauvage. Bisous. Bon. Allez hop. Ça a pas marché, regardez, incroyable. Ah si. Bon, okay. La malédiction n'a pas marché. Très bien, allez, level up. Et du coup, qu'est-ce qu'on gagne? Déjà, un peu plus de vie, ça fait plaisir. Et un dé en plus. Ah oui, ça valait le coup, effectivement. Bon. Bah, je pense qu'on a un build qui peut me permettre de battre le boss. On va voir contre qui on va être, mais... Le voleur contre Madison. Oula. Madison qui a l'air pas très commode comme personne. Ça sert à rien, ce que je fais. Hein. C'est parti. Dans ton cas, casser les 1 est toujours plus rentable. Ouais, bah oui. Arrête de casser les 3, mais j'ai jamais cassé les 3. Si tu racontes ton connerie. J'ai fait ça, moi. C'est possible que je l'ai fait sans faire exprès, ouais. Salut, je m'appelle Manissan, hein. J'ai 12 ans et contre moi, vous allez perdre, hein. Ah, c'est tout. Immunisé contre le gel. Bon, t'inquiète. Répète la prochaine attaque. Je m'en fous. On va obtenir 2-1. Déjà. Ce qui fait plaisir. On va casser. C'est bien. Bon bah du coup, bah, je te les mets dedans si tu veux, vas-y, ça va être plaisir. Alors je veux juste calculer vite fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enfin, 20 dégâts dès le premier tour. Hein. Déconne zéro, hein. Je lui enlève quasiment un tiers de sa vie direct. Bon, je vais quand même être gentil. Tac. Voilà. Quand même, histoire de faire attention à moi. Elle a 5D, ouais, bon 5D ça fait rien ça. Allez. Ah. Putain, elle a un canif, c'est mieux que moi. Ah oui, mais elle, son canif c'est moins bien que DAC+, parce que moi je peux l'utiliser autant que je veux. Bon, Fury c'est quoi? Répète l'effet du prochain équipement. Répète la prochaine attaque. Tu veux que je te montre une... un truc intéressant? Je monte un truc intéressant, Madison. Madison, bon coin, tu fais sans. Attention, Madison, regarde. Je répète la prochaine attaque. Ah ouais, ça fait mal, ouais, je suis d'accord avec toi. Attends, je les rapproche parce que là, je m'emmerde. Voilà. Ouais. Ah, l'invasion des 1, c'est ça. Ah, j'ai pas mis mon armure en cuir. Oh, désolé, j'avais juste envie de te boire la gueule. Bon. Quoi? Ah bah oui, vous pouvez le répéter. Très bien. Oh, ça va, plus de peur que de mal, hein. Après, la partie 6 only, la partie 1 only, j'avoue, c'est vraiment ça. Père, un dégât brûle 1 dé plus 1 à chaque utilisation. Ah. C'est pas mal, sauf que moi je l'utiliserai qu'une seule fois en fait. Ah. Elle a combien de pavillons? Oh, normalement elle est morte là. Je vais quand même faire ça pour avoir un pair. Faire genre ça. Et normalement, elle est décédée, quoi qu'il en soit. Ah, attends. Petite erreur de calcul. C'est pas grave, elle est morte au prochain tour, on s'en fout. Allez, vas-y. Sapristi. Ça va, allez hop. J'en ai rien à faire. Salut mon pote. Oh là là, on a réussi. On a réussi avec ce personnage d'amour. Mécanique d'or sauveur, magnifique. M'en fiche des compliments, je m'en prie. Mais bien sûr. Et cela suffit au killer de... Si vous tombez sur un tri, vous repartirez toujours avec votre milliard. Puis j'ai lancé votre machin. Un petit rôle de temps d'autre, faites tourner.
Attention, attention, est-ce qu'on va gagner, bien non ? C'est non, c'est non, on a toujours pas le droit de gagner, hein. Ok, main change, sans direction, sans. Ne me perdez pas l'espoir, vous êtes loin d'avoir terminé avec les donjons. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode. Ah là là, et du coup, c'est terminé pour Michel. Michel Voleur. On a terminé le premier épisode, alors là ce que vous voyez, hein, c'est qu'il y a d'autres épisodes avec des contraintes. Du coup, chaque partie sera différente, la partie 2, la 3, la 4, la 5, la 6 seront différentes. Et on va débloquer encore des personnages, hein, on a développé le petit robot, bah, qu'on fera au prochain d'ailleurs. Le robot, et du coup, bah écoutez, des gros bisous YouTube. Des gros bisous YouTube, on se retrouve bientôt pour le robot. Ouais, t'auras tout, hein, t'auras tout en VOD séparé, comme ça au moins ce sera plus digeste et ce sera à thème, ce sera thématique. Comme ça les gens qui chercheront voleur Dicey Dungeons, eh ben ils tomberont jamais sur ma vidéo parce que clairement il y aura d'autres gens qui vont dessus avant, mais c'est pas grave. Allez, c'est mon pote.